Kids. Salut les copains. Salut. Ça va bien aujourd'hui? Super. Ah, on est où en fait? À la Cité de l'Espace. C'est où? À Toulouse. À Toulouse, regardez comme c'est beau. On a une Donc devant on est à Cité d'Espace qui se trouve à Toulouse. On va visiter ça. Alors Vadim, qu'est-ce que tu crois que dans les cités d'espace ça se passe? Comment? Bah, que c'est nul, il n'y a pas de jouets. Bon, allez, c'est parti, on y va? Allez, c'est parti. J'espère que vous avez vu la grosse fusée. Waouh! Il est magnifique. Je vais le filmer de l'autre côté. Que ça va se... Allez, c'est parti. Explorateurs de l'espace qui sont venus à les cités. Ben, c'est lui qui passait par là en fait. Donc regardez-moi ça. Il y a des Français, il y a un Espagnol, il y a un Pedro espagnol. Pardon. Ah, il y a des Italiens, il y a des Russes, il y a des Allemands. Est-ce qu'il y a des astronautes chinois qui sont venus ici? Ah, regarde, il y a un Japonais. Un astronaute chinois et un astronaute japonais. Et un astronaute roumain. Et des Russes, Anton, Oleg, Thomas Pesquet, voilà, c'est lui qui est très connu en France. C'est la Terre. Wow. Ça, c'est la Lune. C'est tout petit, la Terre. Ça, c'est Vénus. Eh, Vénus, elle est aussi près que ça. Bah, tu imagines? Mais non, c'est pas possible. C'est qui, écoute, Vénus, papa? Ça, c'est Mercure. Il est où, Mercure? C'est les planètes. Ça, c'est Mars. Alors tu vois, il y a Mars, c'est la plus près. C'est pour ça qu'on dit toujours que tu peux aller. Et ça, c'est la Saturne. T'as vu comment elle est grande? Ça, c'est là, la planète Terre. Quoi, et la Saturne, elle est énorme. La bleue. Là, ça, c'est la planète. La bleue, c'est la planète Terre. C'est là où on là, vit. C'est tout Mars. Petit, hein. La planète un peu marron, c'est la planète Mars. Là, c'est la planète grise, c'est la planète Mercure. Et la jaune, un peu pâle blanche, c'est la planète Vénus. Donc en fait, tu vois que là, que Mars, en fait, c'est pas si loin que ça. Et pourtant, regarde. Quand tu regardes, là il y a la température, donc tu vois, on dit que Mars était vivant parce que on dit qu'il y avait de l'eau dessus et que la température elle est 27 degrés, donc moins 133, mais il y a aussi des endroits à 27. Donc en fait, 27 degrés, tu pourrais presque vivre quoi. Et Saturne, regarde comme elle est énorme. Hey, le Saturne. Alors la Saturne, regardez Saturne. Regarde, Saturne, c'est la taille réelle, hein. C'est à l'échelle. C'est fou, hein. Et alors, c'est laquelle la planète? C'est une vraie planète là? Ouais, la planète la plus loin, la plus éloignée de la Terre, c'est laquelle? Regardez, essayez de chercher. Ah, c'est celle-là. Ah ouais, alors comment elle s'appelle celle-là? Regardez. Mélan. Neptune. Voilà, celle-là. Elle est tout là-bas. Celle-là, elle est très très loin. Les plus de 2000. Alors celle-là, pour vivre, ça serait compliqué. Hein. Moins 197, moins 203 degrés, il fait un petit peu froid. Hein. Faut pas oublier ses mouches. Si t'as oublié ton bonnet. Ah oui, là, parce que c'est au pôle Nord. Un petit peu froid là. C'est le pôle Nord, c'est ça? Non, vas-y, c'est sur la Terre le pôle Nord. Ah, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire, vas-y, ça c'est le pôle Nord. Et ça c'est la plus grosse, regardez le diamètre. Ça c'est la Jupiter. Ouais. Jupiter, 142 700 km de diamètre. Regardez, elle est énorme. Regardez en comparaison à la planète Terre. Regardez la taille qu'elle fait. Là c'est à l'échelle, hein. Ça veut dire que c'est en comparaison. Les proportions sont respectées. Regardez la taille de la Terre par rapport à Jupiter. C'est énorme. Allez, cité des petits. Oh, tu veux... Tu mets tes casques? Vas-y, si tu veux. Tu nous dis quel réservoir est déjà plein. Ok, celui du milieu, ouais, vas-y, fais celui du milieu. Ouais, ça se remplit, c'est bien. Celui de droite, il est presque plein. Celui de droite, il est pas plein du tout. Allez, celui de droite après. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Celui de droite. Ok, on actionne le lancement. Allez, allez-y, okay. Tous les deux. Tu pars. Ok, je vais vous parler. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Attention,
installez-vous. Décollage imminent. Astronaute Sacha, astronaute Vadim, veuillez vous préparer au poste de commande, s'il vous plaît. Et là, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2, attention, attention, ça va décoller, j'appuie sur le bouton. Mettez vos ceintures, accrochez-vous, on part dans l'espace. 3, 2, 1, décollage. Donc il faut deviner la hauteur, il faut monter. Allez. Pourquoi il monte? Il monte pas mon avion là. Ah oui, merde. J'ai me tourné dans le mauvais sens, mince. C'est bon, mais Vadim, t'es arrivé là. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bravo. Allez, et là, on fait un course. C'est parti, vas-y. Allez, Vadim, toi, t'as. Ah, t'as la. Ouais. Avion. Allez. Et la voiture. La voiture, c'est maman qui tourne. Allez, qui va gagner cette course? Allez, la voiture elle va plus vite. Ah, on va voir. Attention, 30 secondes, bravo. Bon bah, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce chat ici hein? Ah, au travail. Allez, au travail, on reconstruit la fusée. Vas-y. Donc là, ils disent qu'est-ce qu'il faut faire. Place les pièces au bon endroit sur le silhouette de la fusée. Allez vite, dépêchez-vous. Allez, vous avez 1 minute 37 là. Dépêchez-vous, oui, c'est bon. A few moments later. 4, 3, 2, ça y est, c'est ouvert. Un volontaire au pupitre de commande. Sacha le volontaire. Sacha le volontaire. Allez, appuie sur le bouton rouge. C'est parti! Oh! Pourquoi tu descends? Reste en haut là! Reste en haut, regarde! Extraction du moteur de l'étage supérieur. Séparation du vaisseau. Oh! Il est vachement sympa cet espace pour le petit, non? Cité d'espace! Ça vous a plu? Hein, très bien. Hein, super. C'est quoi ça, Milan? C'est une météorite. C'est un vrai météorite qu'on a découvert en France. La plus grosse météorite de France découverte à ce jour. T'imagines, elle est tombée sur Terre. Ah! Si il y a ta voiture ça. Juste en dessous au moment où elle tombe. C'est impressionnant quand même. Qu'est-ce que c'est? Un bac à sable de la Lune? Alors ça, c'est cette réplique des poussières-lumière. C'est une réplique quand même. Hein. Lunaire, pardon. Ah, c'est une réplique? Ouais, c'est une réplique. Mais bon, voilà. Là, on peut sentir l'odeur de la lune. Alors, dites-moi, ça sent quoi? Ça sent les chaussettes de Vadim. Oh, ça sent des bonbons. Ça sent quoi? Des bonbons. Des bonbons? Ça sent les bonbons, la lune. Ok, toi? Ça sent du parfum. C'est du parfum. Alors, Milan? Perdu sans terre, herbe coupée. C'est de l'herbe coupée. C'est ça, la lune. C'est ça, la lune? Une lune, c'est où l'aile? Allez, vas-y, fais pas. Perdu senteur fraise, voilà, tu vois. Fraise, et ça, c'est... Gagné. Oh là là, c'était ça, la lune. Ça. Alors,
on va voir. Il est où Milan? Mais là je te vois pas. Il est fou. Ah oh, bah t'es dedans. Alors, la station spatiale Mir. C'est une station spatiale Mir. Ah, quand, ça fait 15 ans que ça existe. Regardez, là, il y en a un peu sur la station spatiale Mir. Voilà. Allez, c'est parti. Un satellite météorologique, c'est ça qui nous sert à savoir la météo. En étage numéro 2, vous avez le satellite de télécommunication. C'est ça qui sert à vos portables, par exemple, à communiquer entre eux. Et ça, c'est un système de lancement double Ariane sur les côtés, là. Ah ouais. Voilà, c'est et comme tout ça. En bas, c'est la case à équipement. C'est le cerveau du lanceur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, là? On va aller visiter le... On va aller voir un spectacle. Allez, c'est parti, un spectacle. C'est là. La planétarium, voilà. T'es prêt? Ouais. Pour la mission? C'est chaud? On va décoller, on va voir la Lune? Lune Explorer. Alors Milan, à ton avis, qu'est-ce que ça va être? Cette mission pour aller sur la Lune, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Aucune idée. On va vraiment décoller? Mais peut-être, on va aller vraiment sur la Lune, tu crois? Eh, peut-être que oui. Alors Vadim, il n'a pas pu venir parce qu'il faisait moins d'un mètre trente, donc on n'a pas pu le prendre avec nous. Donc Vadim est resté avec sa maman. Et Sacha et Milan sont avec moi pour le Lune Explorer. C'est tout? C'est que ça? Milan, qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien l'attraction? C'est ça en plus. Quoi? C'est ça parce qu'après il y a des gens. Ouais. C'est 40 minutes, on va regarder un truc. Ouais, on va être assis sur un siège et on va regarder. C'est nul, hein? Alors, bon, en fait ça a l'air pas mal, hein, Sacha? Ouais. Finalement. On est parti dans une autre salle. N'oubliez pas de profiter du voyage. Ah, c'est stylé. Trop bien. Alors, comment c'était? Je suis comme ça. On pouvait même pas bouger notre tête. Ouais. J'avais les jambes qui pesaient une tonne, non? Hein? Ouais. Maintenant, je crois que... Quoi? Je crois que je peux plus marcher. Bah, je pense que c'est vraiment les sensations qu'ils retrouvent. Mais comment ils ont fait? Bah, je sais pas, il faudrait leur demander comment ils ont fait pour recréer cette sensation. 1025 kg pour être précis. Ce que vous entendez, c'est le bruit qu'il fait quand il se déplace sur Mars. On se réveille et on se réveille avec Sacha qui va nous faire un résumé du spectacle. Alors, qu'est-ce que c'était ce spectacle? Reste là. Qui allait sur Mars? Ouais. Ils allaient sur Mars et les robots ils faisaient quoi? Bah ils visitaient Mars. Ouais, ils cueillaient des fruits et légumes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cueillaient des pommes. Ils postaient des photos sur Instagram. On va regarder un spectacle? Ouais. On va regarder un petit spectacle Stellarium. Voilà. Ouais. C'est parti! Oh, ça va trop bien! Ah, trop bien! C'est parti? Ouais. Allez, ça va commencer. Ouais, mais on n'a pas trop de téléphone portable. Alors, tout à l'heure, les copains? Ouais. Tu me dirais ce que tu penses du spectacle? Ouais. Bon, c'est fini, hein? Ouais. Ouais, c'était bien, hein? Allez, viens. Regardez, je sais faire la danse.
Ah, ils ont fait une petite danse, les personnages. Ouais, ils ont fait comme ça. Bon, voilà, c'est fini, hein? Ouais. Ouais. Alors, on va faire encore un petit tour. Mais qu'est-ce qu'on dit aux copains et copines avant, hein? De tout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et un grand pouce bleu. Et regardez nos vidéos. Salut, salut. Salut, salut les cosmonautes.